www.casarina.fr. Casarina.fr. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, je suis dans la joie de vous retrouver une fois encore dans votre site chrétien préféré www.casarina.fr. Moi, je suis votre sœur Lise Manzambi. C'est vrai, je vous ai dit que je suis dans la joie de vous retrouver, mais je suis aussi triste de vous réannoncer, de vous confirmer la mort de notre bien-aimé, notre papa Alain Moloto, cet adorateur, celui qui nous a vraiment fait du bien pendant ces quelques années que nous l'avons connu. Ça va faire peut-être 15 ans et d'autres plus d'années que ça que vous l'avez connu. En tout cas, nous, il nous a fait beaucoup de bien. Chaque personne a peut-être un témoignage en particulier d'une chanson ou autre, je ne sais quoi. Peut-être que vous aussi, vous avez un témoignage. Peut-être que vous avez été avec lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, chacun en nous, chacun d'entre nous garde en mémoire cet homme, cet adorateur qui était bon, que nous aimions, qui nous a fait de belles mélodies, des très beaux cantiques, mais qui aujourd'hui nous a quittés. Il nous a quittés le 2 août à 19h précisément, heure de Kinshasa. La nouvelle nous était déjà parvenue ici à Casarema, mais on nous a vraiment confirmé l'heure de sa mort à 22h. Voilà pourquoi nous vous avons mis à 22h exactement que l'adorateur chantre papa Alain Moloto nous a quittés. Eh bien, aujourd'hui sur ce plateau, c'est une émission en hommage à cet homme, ce grand homme en tout cas qui nous a quittés, mais que nous croyons il est entre les mains du Père. Parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, qui connaissait sa parole, qui aimait le Seigneur. Et vous n'avez qu'à écouter ce qu'il disait dans ses chansons pour croire que là où il est à présent, il est vraiment au pied du Maître et il est en paix, je le crois. Je suis ici avec différentes personnes. De ma gauche, là-bas, tout au bout, nous avons le pasteur Prosper Chimanga de l'église Montagne de Sion. Vous savez ô combien cet homme soutient beaucoup Casarema. C'est un homme qui ne manque jamais de venir nous soutenir, même dans les moments les plus difficiles. Et nous avons aussi l'évangéliste Brice Ndongala qui est là avec nous. C'est vrai, vous avez pu le suivre il y a quelque temps avec le thème la fin des temps, hein, la fin des temps, les signes de la fin des temps, c'est vrai. Et nous avons aussi maman Rachel Miakizabi qui est femme de pasteur William Miakizabi qui est venue quand même aussi rendre hommage à cet homme. Et j'ai ici à ma droite la sœur Oli Djamboul que vous connaissez bien évidemment. Très prochainement sur casarema.fr, vous allez commencer à suivre une fois par mois votre émission au pied du maître, l'adoration, rien que l'adoration comme notre Seigneur l'aime. Et puis nous avons notre sœur Elsa qui nous vient d'Orléans. Elle est venue, en tout cas elle aussi, elle est jeune, mais elle voulait aussi rendre son hommage à ce grand homme, papa Alain Moloto. Et enfin nous avons notre frère Tanguy Afrimex de l'agence Afrimex qui est venu aussi nous soutenir dans le cadre de cette émission d'hommage à papa Alain Moloto. Alors vraiment, nous allons chanter, chacun va essayer de dire un petit peu ses sentiments par rapport à cette perte, en tout cas, parce que c'est vraiment une perte. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il n'y a rien qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu si l'Éternel ne le permet. Vous en êtes témoin pour Job et tant d'autres. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions entonner des chants d'adoration, de louange, pour rendre... Parce que là... C'est vrai, on ne vient pas rendre culte d'une personne morte, mais on vient juste rendre l'action de grâce au Seigneur qui lui avait donné et a repris aujourd'hui son serviteur. Et ensemble avec le bien-aimé ici sur le plateau, on va donner ce chant. Oh,
Rendre encore hommage à ce grand homme qui nous a quittés. Comme je viens de vous le dire, papa Alain Moloto n'est plus, il n'est plus parmi nous, il n'est plus parmi nous. Mais nous le croyons fermement. Au jour de l'enlèvement, nous le reverrons là-haut, auprès du Père, parce qu'il y est déjà. Alors, avant d'entonner d'autres chansons que nous allons chanter, j'aimerais quand même demander, Évangéliste Prosper, vos sentiments par rapport à cette triste nouvelle de la perte de papa Alain. Merci beaucoup, papa Lise, pour la parole. Mes sentiments, comme vous pouvez les constater, c'est des sentiments de tristesse. Et en ce net moment, nos pensées vont tout droit à sa famille et à ses proches. C'est très difficile, mais bon, c'est arrivé. La mort, comme votre chanson que nous aimons tous, Koumama, le dit, il n'y a pas d'autre chemin si ce n'est par la mort. C'est le seul chemin par lequel nous pouvons accéder à l'éternité. D'ailleurs, il est dit aussi dans la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, que heureux le mort qui meurt dans les Seigneurs. Alors, c'est des sentiments de tristesse, de peine. Voilà. Ah, vraiment, c'est vrai, c'est un sentiment de peine que nous avons ici, tous sur ce plateau. Vraiment, la grande famille chrétienne, la grande communauté chrétienne, le peuple congolais vient de perdre vraiment un élément, un grand élément. Mais Dieu seul sait pourquoi il a permis qu'il parte. Frère Tanguy, est-ce qu'on peut essayer de glorifier encore le Seigneur une fois de plus? Oh,
ici l'évangéliste Brice. J'aimerais quand même avoir vos sentiments par rapport à cette perte. En tout cas, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la nouvelle. Et c'est vrai que c'est toujours triste de perdre une personne. Et d'autant plus que c'était une personne qui a beaucoup contribué à l'adoration, contribué à l'œuvre du Seigneur. Et en tout cas, en ce qui me concerne, il y a beaucoup d'adoration, beaucoup de chants, des cantiques, que par la grâce de Dieu, notre bien-aimé qui n'est plus, a pu composer et qui nous a vraiment aidé, qui nous aide encore à pouvoir adorer le Seigneur, à pouvoir prier. En tout cas, c'est une grande perte. Et Dieu seul, qui est le maître de temps et des circonstances, c'est le temps qu'il nous a imparti à tous. Et nous naissons et nous sommes comme un vent qui a appelé à retourner au Créateur. Et en tout cas, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris cette nouvelle. En tout cas, que Dieu puisse fortifier la famille et toutes les personnes qui étaient très proches, et toutes les personnes de près ou de loin ont pu être affectées par cette triste nouvelle. En tout cas, que le Seigneur puisse consoler les cœurs des uns et des autres. Voilà un peu ce que je peux dire. Maman Rachel, est-ce que vous avez en souvenir quelque chose aujourd'hui qui pourrait vous rappeler encore cet homme que nous venons de perdre? Oui, en fait, moi, c'était vraiment un modèle, parce que j'aime beaucoup l'écriture, la lecture. Et c'est un homme, pour moi, un grand poète. Il savait composer. J'étais vraiment touchée. Comme je dis, j'aime le dire, Dieu est souverain. Et je dirais même aujourd'hui, la souveraineté de Dieu me dépasse. Voilà pourquoi je ne peux rien faire d'autre que m'incliner. S'il a permis qu'il puisse partir, c'est parce que lui-même, il a donné. En fait, Dieu a permis. Et sa souveraineté me dépasse. Que ce que nous pouvons dire, on lui rend gloire. Et il y a un chant, je pense que celui qui le chant qu'on vient de chanter, et je pense que celui qui l'a composé, ça m'a beaucoup aidé. C'est un chant qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Cette partie qui dit « S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh, je t'aime, Shiloh. » Parce que des fois, on a de ces choses, on peut pas exprimer. On a du mal avec des mots, on peut pas les décrire. Donc souvent, on prend des simples mots pour exprimer ce qu'on ressent dedans de nous. Donc je soutiens la famille, surtout son épouse, parce que ça ne doit pas être difficile. C'est vrai que pendant un temps, elle s'est entourée. Mais après, les gens partiront. Mais ça reste toujours un vide au-dedans de son âme, parce que c'est son cher époux. Il ne peut être remplacé. Vraiment, mon soutien à toute la famille. Que Dieu encourage son peuple. Vraiment. Voilà. Merci, maman Rachel. Maman Oli, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette triste disparition? Moi, je dirais que la Bible dit « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer parce que, je dirais, c'est une grande perte, parce que le frère Alain Mloto a su faire la différence quand même au milieu de l'adoration. C'était quelqu'un qui savait adorer son Dieu. C'était quelqu'un, lorsqu'il chantait, de par ses textes, qui vous poussait, qui vous ramenait au trône de Dieu. En tout cas, que son âme repose en paix. Et je pense, même s'il a quitté ce monde, mais il a laissé, je dirais, des traces. Il a marqué cette génération. Je dirais que de par ses albums, nous continuerons à toujours écouter, nous continuerons à toujours à être bénis par cet album. Que Dieu le bénisse encore là où il est. Je crois qu'il est dans la joie. Et nous devons même pleurer pour nous autres qui sommes restés ici, parce que c'est une joie de mourir dans le Seigneur. Je crois qu'il est auprès du Seigneur. Que son âme repose en paix. Voilà un peu. Et moi alors, Elsa, est-ce que tu as un petit mot? Elle a déjà un micro. Je l'aimais bien. C'était mon préféré. J'arrêtais pas de penser à lui. Mais maintenant qu'il est mort, on est tous tristes. Mais bon, c'est toujours comme ça. Ça sera comme ça et tout le monde passera comme ça. Je l'aimais bien et il est parti. Voilà. Merci. Pas Tanguy. Donc, le frère Alain Mloto, c'était ce qu'on appelle quand même un bulldozer. C'était une personne qui a fait son temps. Et il a fait des exploits quand même.
quand on voit Gaël et on voit le nombre de CD, vous allez partout, moi qui ai l'habitude de voyager, vous allez au Bénin, vous allez faire le tour de l'Afrique en passant par l'Europe. Quand vous voyez les œuvres qu'il a faites, ben, il n'y a pas de mots à exprimer une tristesse. Que le bon Dieu bénisse sa famille qui est en pleurs. Et puis, je n'ai pas de mots pour exprimer ma tristesse. Nous tous ici, sur le plateau, comme vous pouvez le constater, nous avons tous été marqués par cet homme. Et nous sommes aussi aujourd'hui marqués par sa disparition si brusque. Il est mort à 52 ans seulement. C'est trop jeune, il était trop jeune. Mais bon, peut-être que nous nous trouvons que c'est trop jeune, mais si le Seigneur a trouvé que c'était le moment, vous savez, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et si le Seigneur trouve que en ce moment-là, son fils, il était prêt, bah écoutez, il fallait qu'il le prenne et il a pris. Triste pour nous, triste pour la famille, parce que c'est vrai, c'est la chair, il va nous manquer. Mais bon, je pense que vaut mieux qu'il soit auprès du Père. Ceux qui ont précédé le frère Alain... Nous précéderons aussi dans la résurrection. Voilà, ils sont morts. Mm-hmm. Il y a David qui chantait, qui a écrit les psaumes. Mm-hmm. Il est mort. Il y a Jésus de Nazareth, son Seigneur, qui est aussi notre Seigneur. Il a aussi connu la mort. Mm-hmm. Alors, la réalité de la mort, c'est comme ça. Donc, David dit, je m'en vais par le chemin de tous les vivants. Le plus grand problème, c'est nous qui sommes restés. Et je pense que le temps que le Seigneur nous donne, c'est pour justement essayer de travailler à arrache-pied, de telle en sorte que les âmes soient gagnées et que chacun de nous s'organise de telle en sorte que la vie que nous menons sur terre soit changée. Il faut qu'il y ait un changement et que chacun de nous veille sur lui-même, sur sa conduite. Parce que le Seigneur peut revenir à tout moment, le Seigneur peut prendre notre souffle, son souffle de vie à tout moment. Mm-hmm. Alors il faut que nous soyons prêts. Donc frère Alain Moloto, c'était aussi un intercesseur. Il faut écouter la profondeur de la parole, des thèmes qui s'est trouvé. Moi personnellement, il a affecté ma foi, parce que c'est à peu près dans les années 97 que je m'étais converti. Et je me rappelle, en ce temps-là, il y avait une chanson, « Jésus, je t'aime, oh oui, c'est toi le thème de ma chanson, laisse-moi te dire ce que mon cœur ressent pour toi. » Alors, ça affectait vraiment ma vie. Et voilà, donc c'est une perte énorme pour l'Église Corps du Christ. Alors nous croyons en réserve, nous croyons que Dieu va encore susciter des frères comme ça, et nous devons aussi les soutenir, prier pour eux. Voilà. Voilà, c'est vrai, nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est vrai que sur ce même plateau, il y a encore quelques semaines, on était avec la sœur Oli Djamboul d'ici, et je parlais justement du fait de pouvoir soutenir Papa Alain, afin qu'ils viennent se faire soigner ici. C'est vrai que les fonds ont manqué, parce que vous connaissez un peu en Afrique les soins qu'ils devaient prendre, vraiment sa nécessité qu'ils viennent ici. Mais bon, dans toute situation favorable ou non, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a permis, il aurait aussi permis autrement que le frère Alain vienne ici pour se faire soigner. Mais cela n'a pas été le cas. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ça? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit glorifié. Vraiment. Et voilà, pour conclure cette émission, moi je voulais aussi, je vous le diffuserai sur casarema.fr. Ça, c'est le livre que Papa Alain lui-même personnellement l'a envoyé au frère Blaise Manzambi. Et il y a des écrits ici qu'il a mentionnés et qu'on vous écrira sur le site, et on partagera aussi quelques passages en tout cas. C'est vrai que dans ce livre, le plan de Dieu pour le Congo, Papa Alain a dit quand même des choses osées. Il a dénoncé un peu les méfaits qui se passent aujourd'hui dans le monde, dans notre pays, le Congo, surtout. Et puis, il a dit aussi, pas seulement ça, mais il a dit aussi des choses à venir pour ce beau pays, le Congo. Alors vraiment, dans ce beau pays, on y croit encore. Mmh. Parce que la main de Dieu n'est pas courte. Il y a des Vraiment, nous croyons que Dieu fera de grandes choses, et il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ce livre. Donc c'est vrai, on le présentait alors qu'il était encore en vie, et ben, on continue encore à vous présenter ce livre, découvrez
découvrez en fait ce livre. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui, je pense, pour nous Congolais, c'est important de le savoir, c'est important de le connaître. Et voilà, Papa Alain, il a presque laissé sa vie à cause de ce livre, donc je pense que c'est quand même nécessaire pour nous autres les Congolais de pouvoir lire ce livre du début jusqu'à la fin. C'est vraiment nécessaire, c'est nécessaire. Casarima.fr est là pour votre production, distribution, management, filmage, réalisation de vos clips, concerts, séminaires, baptême, croisades, mariage, un service de professionnels présent uniquement pour vous satisfaire. Casarima est là aussi pour l'autoring de vos DVD, service traiteur compris, photos, plus location de salles, enregistrement de vos émissions. Tout cela se passe sur casarima.fr. Casarima, en tout cas, moi, j'aime. Hey, nouvel album, Avoir l'amour de Dieu, du frère Domingo Sala. L'homme dans un profond sommeil. Endeko, Ozolala, Lamuka, Peyoka, Avoir l'amour. Où es-tu aujourd'hui? Papa Domingo Sanda, Amemeli Bisso et Comélie Asika. Sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a tout payé. Toi qui dors t'entends, souviens-toi de lui. Sur la croix de Golgotha, son sang coulait. Comélie Lalela Tendeko, Yuka album, Avoir l'amour. Son sang. Un album de consolation, un album qui vous apporte du baume au cœur. Avoir l'amour de Dieu, c'est votre album, avec le frère Domingo Sanda. Un album déjà disponible sur Casarima et sur les points de vente habituels.